Memphis. Joni Persian from Tenaya Company. Self and Bomber Chubble. Sick of Santa Ryan. Bonjour, cette semaine, mon invité, Monsieur Ghislain Tachereau. Allô, ben, Ghislain, comment ça va? Ben, ça va bien. En fait, c'est vrai, c'est vraiment moi, je me reconnais. C'est le vrai, en tout cas, il ressemble au look à la caméra. Ben oui, ben oui. Ghislain Tachereau, comédien, humoriste, réalisateur, auteur, tu fais du doublage aussi, du voice-over. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire, que tu n'as pas encore fait? Ben, j'aurais aimé ça. Avant d'écrire mon premier roman, je voulais faire un long métrage. Mais c'est très, très long et très ardu. Un long métrage, tu déposes ça, puis là, tu as du monde à Téléfilm, puis par tous ceux qui donnent des subventions, qui lisent ça. Puis de ce que j'ai entendu dire, des fois, c'est pas les plus compétents qui te lisent. Mm-hmm. Moi, je suis un bébé de la TV, fait que nous autres, on écrivait un sketch le matin, on le tournait l'après-midi, puis on le montait le soir. Fait que je me voyais mal. Ben, j'en ai écrit un long métrage, mais en fait, j'ai écrit une télésérie pour la télé. J'ai écrit 6 épisodes, puis c'est resté dans le fond de mes tiroirs parce que quand on avait déposé le projet, il y a un autre projet qui avait remporté la palme, c'était Elvis Graton, qui est très, très drôle d'ailleurs, que j'ai revu par la suite, c'est très, très drôle. Mais puis j'avais été très bien payé pour écrire les 6 épisodes en question. Mais c'est resté dans mes tiroirs. Fait qu'un long métrage qui est resté dans mes tiroirs, une télésérie qui est restée dans mes tiroirs, je me suis dit, au moins si j'écris un roman, ça va sortir, puis les gens feront leur cinéma dans leur tête. Fait que oui, j'aimerais ça, faire un long métrage que j'aurais écrit et réalisé moi-même, mais à un moment donné, tu fais des deuils, des choses que tu n'as pas le temps de faire. Moi, j'ai des milliards d'affaires que j'aimerais faire dans ma tête, mais j'ai juste une vie. Puis ouais, ouais. Si je me calme pas les nerfs, je vais tout le temps travailler, puis je vivrai pas. Fait que j'ai choisi de paresser de temps à autre, de m'obliger à paresser de temps à autre. Donc, tu choisis tes combats, en quelque Exactement, sorte. Exactement, ouais. Né dans la région des Bois-Francs en décembre 62, donc bonne fête à l'avance. Oui, c'est ça, je vais avoir 60. Oui, on change de dizaines. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis comme disait un gars que j'ai rencontré une année, des décennies dans une vie, t'en as pas 18. Non, pas vraiment. Ouais. Ton enfance, adolescence, ça s'est-tu super bien passé? C'était smooth ou t'étais un petit... En tout cas, on peut se dire, il y a l'air d'un petit bum, mais non, c'était pas ben ça. Ben oui, j'ai eu ma phase, j'ai resté en commune avec des chums. Il y avait même un curé qui venait prendre un coup avec nous autres. Mais j'ai jamais été violent. J'ai jamais été très, très, très délinquant. À l'école, jeune, j'étais un peu turbulent parce que ma mère nous avait appris, nous autres, à lire et à écrire avant de rentrer à l'école. Ce qui fait que tu arrives, puis là, ben. Tu regardes tout le monde qui est en train de d'apprendre pendant que toi, tu sais ben, déjà. Tu sais déjà, fait que toi, tu fais juste des niaiseries, fait que t'es pris pour aller t'installer à côté sur le mur, les bras en croix, parce que t'es mis en pénitence, là. Mais à part de ça, non. Puis quand j'ai fini, j'ai fait 2 années de cégep, puis après mes 2 années de cégep, en sciences humaines, sans maths, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Fait que j'ai fait 2 années sabbatiques. Puis je me suis inscrit après la 2e année à l'Université de Moncton. J'ai pas été... Non, après la 1re année, je me suis inscrit à l'Université de Moncton. J'ai pas eu de nouvelles. Là, je me suis réinscrit, toujours pas de nouvelles. Puis là, j'ai appelé, j'ai dit « qu'est-ce qui se passe? » »« Oh, on a oublié. » Fait que là, j'ai fait 4 ans en théâtre à l'Université de Moncton. J'étais allé là-bas parce qu'il n'y avait pas d'audition. Ils te testaient sur une année. Donc, j'étais allé faire mes 4 années à l'Université de Moncton, puis j'ai vraiment trippé beaucoup. Là. C'était pour ça. Je voulais savoir pourquoi Moncton. Ouais. Je pense que tu viens d'y répondre. Ben oui, ben oui, oui. Entre la fin de tes études secondaires puis universitaires, t'avais-tu un plan de carrière dessiné ou c'était « on verra où est-ce que la vie va m'amener? » Ben, c'est sûr qu'en allant en théâtre, je voulais jouer. Je voyais des gens de ma génération... Bien, plus vieux que moi, mais des Gilles Latulippe, tout ça, des gens qui étaient à la télé puis qui gagnaient leur vie en s'amusant. Tu sais, je pense à l'émission Les Tanans dans le temps. Ouais. Du studio A de Télémétropole, Les Tanans!
Puis je me disais, ça doit être trippant, tu passes ta vie à t'amuser, puis t'es payé en retour. Alors, c'est ça mon plan de match, mais je savais pas comment y arriver. Puis là, ben, je me suis dit, en étudiant en théâtre, peut-être que c'est là que ça va me mener. Et oui, c'est là que ça m'a mené, mais parce que j'ai été très persévérant, parce qu'il y avait, à limite, il y avait à l'époque, il y avait un concours qui s'appelait Sans Limite, la Minute Sans Limite, à l'émission Sans Limite. Et moi, j'ai participé à ce concours-là. Le concours, il fallait que tu envoies un texte d'une minute sur un sujet d'actualité. Puis moi, j'en envoyais beaucoup, beaucoup, puis j'habitais chez ma sœur à cette époque-là, à Longueuil. Puis les gars lisaient un texte par semaine parmi ceux qui recevaient. Puis ils lisaient pratiquement toujours les miens. Et je me rappelle, j'envoyais beaucoup, beaucoup de textes. Puis ma sœur, elle disait, hey, à un moment donné, ils vont dire, elle est fatiguée, arrête de nous écrire. Mais moi, j'y croyais, tu sais. Ah, tu persévérais. Oui. Puis il y avait un ordinateur à gagner en bout de ligne pour celui qui avait écrit le meilleur texte dans l'année. Là. Et en plus de gagner l'ordinateur, donc à la fin de la saison, Richard Z m'a invité à venir faire un stage comme scripteur à Sans Limite. C'est comme ça que j'ai commencé, fait que je dois ma carrière à Richard Z. Merci Richard. On le remercie énormément d'ailleurs, parce que ça a donné aussi, écoute, des personnages qui marquent encore aujourd'hui. Là. Évidemment, il y a les classiques. Bob Binette, ben tu t'en fais parler sûrement presque tous les jours. Ludger, ben Dave Ash. Ça, cette inspiration-là, c'était-tu comme des trucs... Souvent, les humoristes écrivent des choses, ça reste dans le tiroir, ça revient, ou ça a été inventé presque sur le fly? Ben, on n'avait pas grand-chance de laisser des choses dans le tiroir, parce que de la TV, comme on la faisait, c'était 6-7 courts-métrages par semaine. Puis... En dernier, on faisait quasiment du 100 heures semaine. Donc, tu sais, par exemple, le cas de Binette, en fait, je me moquais d'une mode qui est une maladie, à mon avis, qui existe encore, là, que les gens, quand ils disent « yes » au lieu de « oui », c'est comme si c'était plus fort. Tu sais, « all right », au lieu de dire, je sais pas, moi, « tant mieux » ou « parfait », ou c'est comme si c'était plus fort. Fait que moi, j'ai poussé ça à l'extrême. « Never watch out », ça voulait rien dire, mais c'était juste pour dire, hey, vu que c'est en anglais, ça doit être meilleur. T'es fuck un comportement, parce que t'es des pancartes, il y en a partout. Boutique érotique. Dans une durée, c'est pas fou ça. Ah, mademoiselle, vous, il y a de... Puis, moi, je considère que c'est une. Comment dire. Je trouve ça vraiment triste parce que le jour où je vais entendre un Torontois dire parfait au lieu de dire all right, ben, je me dirais, ben c'est pareil des deux côtés. Mais là, c'est toujours. Le francophone qui plie à utiliser des mots anglophones comme si c'était merveilleusement puissant ou nettement supérieur aux mots français. Que quand tu pollues ta langue de plein de mots anglophones, comme si ça la rendait plus riche. Tu sais, un exemple, les Québécois vont dire « je suis fucking fatigué, il est fucking tard, j'ai fucking faim ». Tu réduis... Nous, on a des milliers de jurons en français, en québécois. Là, tu réduis ça à un seul juron qui est même pas dans ta langue. Je trouve ça désolant. Puis je me dis... Bon, le jeune qui a 13, 14, 15 ans, il se dit, mon père, ma mère me reprochera pas le fucking, mais ils vont me reprocher le tabarnak ou le calice ou le... Il est crissement tard ou j'ai calissement faim. Mais c'est triste, mais c'est ça pareil. Fait que je comprends pas cette faiblesse-là que le francophone a à se sentir supérieur en utilisant des mots anglais. À l'époque, quand tu étais à TQS, c'est pas une rumeur, d'après moi, c'est fondé. C'était « vous écrivez vos textes », ben t'en as parlé tout à l'heure. Mais au complet, le travail, que ça part de l'écriture, filmer, monter, c'était tout vous autres. Oui, ça, hein? on contrôlait tout de A à Z. C'est ce qui fait que l'idée qu'on avait dans la tête
elle correspondait presque parfaitement à ce qui était à l'écran. Mais le prix à payer pour ça, c'était des heures de fou. Tu sais, des fois, on arrivait, on faisait un sketch, on savait qu'il allait avoir des heures et des heures et des heures de montage. Ce qui fait que moi, je me rappelle de certains jeudis soirs, je rentrais en montage à 8h, 9h le soir, puis je sortais de là à 3, 4 heures du matin. Puis des fois, on s'emmenait une caisse de bière parce que c'est pas nous qui manipulions les machines. On disait au monteur, fais ça, fais ça, fais ça. Puis, sauf que tu peux pas dire à chaque soir que je vais rentrer en montage, je vais m'asseoir à côté du monteur avec une caisse de 12, puis je vais... T'sais, à un moment donné, tu finis que... C'est une façon de te faire oublier que c'est des heures qui sont pas possibles que tu fais, puis que c'est pas un train de vie que tu vas pouvoir tenir longtemps. Donc, il y a de quoi de manifestement magique et inoubliable dans ce qu'on a fait, mais ça aurait dû être une émission aux deux semaines au lieu d'être une émission par semaine pour la santé de tout le monde. Mm-hmm. On arrivait à l'été, au printemps, quand la saison se terminait, puis on était brûlés, là. Puis, déjà, on disait, bon, ben cet été, on a le goût de triper, on a le goût de voyager, on a le goût de voir des amis, on a le goût de fêter, mais il faut se reposer aussi, parce que l'automne va arriver. Mais là, t'as pas le goût de penser à l'automne, t'es l'été, t'es dans le moment présent, là. Y a-t-il quelque chose, que ce soit toi ou en tant que groupe, avec le recul, vous vous dites, ouais, peut-être qu'on est allé trop loin, mais à l'époque, là. Là, je parle pas des coups de téléphone, là. Non, moi, je regrette rien. Je pense qu'on avait, une morale qui est nettement supérieure à la... Comment dire... pour moi, la morale est nettement supérieure à l'obéissance aux règles divines ou aux règles de la religion catholique, mm-hmm. parce que eux-mêmes ne les respectent même pas. Fait non, que pas la, en la, tout. Fait que on avait une morale, on était capable de dire non, on n'ira pas jusque-là. Je me rappelle d'une série de sketchs qu'on faisait, Jacques Chevalier et moi, où on faisait semblant qu'on était gay, on était un couple homosexuel. Ah, il est pas fatiguant, lui, il appelle à tous les fins de semaine. Ouais, ben, ça marche plus, Jacques. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis pas à l'aise. Ben, tu veux t'en parler? Non, ça donne rien d'en parler. Je suis pas à l'aise. J'ai trop la champlure à côté dans le dos. C'est toujours toi qui s'assis ce côté-là. Ben, la prochaine fois, on changera de place. T'es correct, Jacques, t'es correct. Non, oups. Dis-moi que tu m'aimes. Ben, tu sais. Ah, ben, dis-le, moi, que tu m'aimes. Ah, ça me gêne. Ah, ouais, tu fais juste parler. Ben, je t'aime, Jacques. Je me rappelle, on avait montré ça à des amis gays, puis ça avait ri. Fait que nous autres, on s'était dit, bon, on a visé juste. Non, moi, je pense pas qu'on ait heurté qui que ce soit. En tout cas, on a peut-être, tu sais, il y a du monde qui sont jamais contents. Là, mais là, ça, oui, il y en a peut-être partout. Ben, bonhomme carnaval, ça, il saigne pas. Fait que le bonhomme carnaval est correct. Peux-tu savoir, bonhomme? Bien sûr! Rapport que je serai à Québec du 4 au 14 février, manquablement. Les tout petits sont de bon joie. Hey! Tête de cochon! Je t'ai dit qu'il fallait limiter les naissances! 1, 2, 3, 4, tire le pee-wee. Ta gueule! Bonjour, manquablement. Ah, mon sauveur, merci. C'est quoi, tu veux une valise? Allô? Même chose que... Ta gueule! Gras, je suis un monstre. Aimons-nous les uns les autres. Excuse-moi, Raymond, de t'avoir interrompu. T'as pas compris? Ce soir, je vais faire l'amour avec toi. Aïe, aïe, s'il vous plaît. Ah, bonhomme, arrête d'imiter Binette. Ha ha.
Tu fais de la pub, de la narration, des voix hors-champ d'annonceurs. Comment t'en es arrivé là? Oui, parce que t'as une voix qui vraiment qui punch de radio. Ben, quoi. Ça a été un concours de circonstances. On a été approché, Pierre Brassard et moi, à l'époque, pour faire des voix sur le marché 440 à Laval. Et pendant que on attendait qu'ils installent... Ben, on était derrière les micros, mais pendant qu'on attendait que... qui prépare la session, puis tout ça, ben on, moi puis Pierre, on est devant le micro, puis là, on niaise. On niaise, on fait des voix, puis... Et là, je pense qu'il y a des gens qui nous ont entendus derrière, puis qui ont dit, hey, c'est intéressant. Ce qui fait qu'après ça, moi, je me suis fait appeler pour faire une voix à l'époque où McDonald's sortait sa pizza. Créait sa pizza. Ouais, avec M. Pilon, là, aussi. Non, ça, c'était avant Pilon, mais moi, c'était une pub radio. C'était une pub radio. OK, d'accord. Et là, j'arrive en studio, puis le texte, c'est écrit... McDonald's présente sa nouvelle pizza, mais en italique, en gras, en 12 points, en Helvetica, en Times, en Georgia. Puis là, je comprends pas trop. Mais là, ils me disent, il faut que tu le dises de 15 façons différentes. Alors là, je me suis installé derrière le micro, puis j'ai dit la phrase, McDonald's présente sa nouvelle pizza. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Puis je l'ai faite de toutes les façons inimaginables. Et c'était une pub d'une minute. Et c'est devenu mon démo. J'ai pris ça. À chaque fois qu'on me demandait un démo, par la suite, j'envoyais ça. Puis bien souvent, je ramassais les contrats comme ça. Le party est pogné chez vous, mais pour fournir la visite, tu coupes ta bière avec l'eau de la piscine. Wesh! Arrête ça d'être là. Couche tard à des caisses de 24 Bud Light puis Coors Light au prix minimum 21,77. Elle est froide, mais bonne. Couche tard, toujours prêt. Présentement au Salon du Livre, Palais des Congrès de Montréal. Donc, on va parler à l'auteur, parce qu'à un moment donné, il est là aussi pour ça. Mais si je me suis pas trompé, mais ça se peut. Jusqu'à présent, tu aurais écrit 17 romans. Est-ce que je suis dedans? Non? Non, mais c'est, je sais l'erreur. Les gens, ils font une erreur avec les collaborations que j'ai faites à des recueils de nouvelles. OK. Fait que j'ai 11 romans à mon actif. Présentement, j'en ai un 12e qui est parti chez ma directrice littéraire. Mais là, présentement, au Salon du Livre 2022, je présente mon 11e roman qui est sorti le 9 novembre dernier. Et j'ai des collaborations à des recueils de nouvelles. Je me rappelle plus combien, là, mais puis à des collectifs. Tu sais, un collectif où on parlait de l'indépendance du Québec, un collectif sur l'athéisme. Puis des recueils de nouvelles carrément de toutes sortes. Là. J'espère que tu vas te rendre au moins à 17 pour qu'à un moment donné, question ait du bon sens. Ben oui, pour que tu n'aies pas gaspillé un carton pour rien. Donc, on est ici aujourd'hui parce que tu lances ton dernier roman, comme tu as dit, et je le prononce pas comme toi, mais Les déchirures de l'amour. Oui, exact. En 1978, j'ai 16 ans, et avec l'argent que j'ai ramassé en faisant le tabac en Ontario, je viens de m'acheter une caméra Super 8 avec laquelle je peux uniquement faire des films muets d'une durée maximale de 3 minutes 20 secondes. Je n'ai pas d'équipement de montage parce que c'est trop compliqué et trop dispendieux. Je monte donc au fur et à mesure que je tourne. Pour mon premier film, je parodie une transformation de l'incroyable Hulk. 44 ans plus tard, je revisite Hulk dans ce nouveau roman amouristique « Les déchirures de l'amour », dans lequel Bruce Tabware triple de volume et se transforme en l'incroyable Kull dès qu'il se met en colère. « Les déchirures de l'amour » en librairie. Ouais. L'écriture avec Bruce Tabware. Ouais, exactement. Les noms de tous tes personnages, ils ont une consonance. Ouais. J'allais dire fucked up, mais là, je le dirais pas, étant donné le sujet qu'on a abordé. Consonance assez spéciale. Ouais, ouais. Encore là, l'inspiration, c'est-tu comme on entend souvent parler, les gens, c'est la vie de tous les jours. Ils sont assis, par exemple, à un café, puis là, ils remarquent des trucs, là, l'inspiration te vient un peu. Ben, moi, je crois pas à ça, l'inspiration. Je pense que quand t'écris, tu t'assois puis tu travailles. Il faut que tu te creuses la tête. Ça vient pas tout seul. Moi, premièrement, Le personnage de l'incroyable Hulk, avant qu'il se transforme dans le Marvel, il s'appelle Bruce Banner. Mm-hmm.
Puis moi, j'ai grandi avec ça quand on était jeune, tu sais, Bruce Banner, puis là, t'avais Pierre Brassard qui imitait vraiment la voix du narrateur à l'époque, qui disait « Monsieur McGee, ne me mettez pas en colère, vous risqueriez de le regretter. » Puis moi, j'ai décidé de l'appeler Bruce Tabouère, parce que, tu sais, quand t'es en tabouère, t'es fâché. Et contrairement au Bruce Banner, puis au Hulk, moi, mon incroyable cul, quand il redevient Bruce Tabouère, il se rappelle pas de ce qu'il a fait. Il sait même pas qu'il s'est transformé en cul. Ça fait de lui un être qui fait un peu pitié parce qu'il se réveille, il est tout déchiré, ses vêtements sont tout déchirés, ses souliers sont déchirés, il a juste un bas de pantalon, il est en itinérance. Il faut qu'il se trouve des vêtements, il faut qu'il se trouve de quoi manger. Donc, c'est un pauvre air qui fait pitié. D'ailleurs, quand je me plais dans le roman, je le décris, je dis il y a moins de personnalité qu'un céleri qui aurait été oublié sur le comptoir pendant 3 semaines. Fait que c'est quelqu'un qui passe totalement inaperçu. Puis il sait même pas qu'il est devenu une menace pour les États-Unis parce que quand il se transforme et qu'il pète les plombs, c'est pas beau à voir. T'sais. Et là, t'as une femme qui s'appelle Bella et il la sauve un moment donné d'un attentat de viol contre elle. Il la sauve. Puis elle voit cette bête-là, cette montagne de muscles-là qui l'a sauvée. Fait qu'elle essaie de le retracer pour le remercier. Puis elle se dit, maudit que ça me ferait des beaux enfants parce qu'elle, cherche un géniteur aussi. Puis quand elle finit par voir la personne avec les mêmes vêtements, elle voit un gringalet. Puis elle se dit, voyons, c'est pas lui qui m'a sauvé, certain. Puis elle assiste à une transformation. Puis là, elle retrouve la bête musclée, puis elle voit que c'est la seule et même personne. Puis là, elle se dit, comment je ferais bien pour le garder beau, grand et musclé, puis qu'il ne redevienne pas l'insignifiance qu'il est quand il est en Bruce Tabouère. Fait que c'est tout le conflit autour de ce duo-là, ou ce triangle-là, même si on, quand, oui. Si on a Bruce avant qu'il se transforme, puis Bruce après qu'il se transforme. Je m'arrange toujours pour prendre un prétexte amoureux pour faire une histoire rocambolesque qui revole partout. J'ai remarqué aussi que tu fais ton auto-promo. Oui, oui, oui. Ce que je vois pas souvent, d'ailleurs, pour les autres artistes, c'est quelque chose qui fonctionne, que tu conseillerais? Ben, t'as pas le choix, parce que... Tu sais, moi, j'ai créé ma propre maison d'édition, parce que... Déjà, quand j'étais publié chez d'autres, chez des éditeurs, je faisais déjà, j'ai mon kit de montage, moi, chez nous. Je fais mes narrations dans le garde-robe avec mon micro. Je fais mon montage vidéo. Et je me disais, quand je faisais ça, que je publiais chez d'autres éditeurs, je me disais, je fais le travail de l'éditeur et je touche le petit 10% qui va à l'auteur. Et je touche pas la subvention que touche l'éditeur et je touche pas le pourcentage que touche l'éditeur. Donc, avec les réseaux sociaux, maintenant, si c'est devenu... chacun est devenu un diffuseur. Mais si t'es pas capable de faire des beaux vidéos, puis faire des bonnes narrations, puis de faire quelque chose qui est beau, puis qui se tient... Qui accroche l'œil, là. Oui. Ben à ce moment-là, t'es mieux de déléguer. Mais moi, je suis capable de le faire. Fait que je me suis dit, aussi bien m'auto-promouvoir... puis de récolter les fruits de mon travail plutôt que de mettre ça entre les mains de quelqu'un d'autre pour que ce soit l'éditeur qui fasse l'argent. Pour célébrer le 22e anniversaire du calibre 666, le revolver de l'inspecteur Spector qui ne se décharge jamais, redécouvrez les aventures de ce drôle de héros dans une réédition haute en couleur. L'inspecteur Spector est le doigt mort. Le premier de la seule trilogie au monde avec 3 tomes 6 est présentement sur les rayons de votre libraire préféré. Les 2 autres titres de l'inspecteur Spector suivront. Et vous aurez beau combiner 22 avec 666, les multiplier, les diviser, les additionner, les soustraire, jamais vous n'arriverez à COVID-19. Mais ce n'est pas tout. Début octobre, Ghislain lancera Les Dents de l'amour. Les péripéties de Draculotte, fille adoptive de Dracula, qui refuse de mordre Iricou, son fiancé, pour en faire un vampire, car elle veut vivre le véritable amour et fonder une famille à échelle humaine. Les Dents de l'amour sera le premier titre sous la collection Hilar Coquin.
Une collection qui se consacre à l'édition de romans amouristiques qui tordent les clichés à l'excès et ne s'embarrasse pas de la rectitude politique. L'inspecteur Spector et le doigt mort. Réédité et Les dents de l'amour. Le premier titre de la collection Hilar Coquin chez votre libraire préféré à l'automne 2020. Aux éditions de l'Individu. Question sûrement, en tout cas moi ça me travaille, c'est donc sûrement d'autres personnes aussi. Est-ce que ça serait possible un jour de voir Ghislain Tachereau faire un one-man show? Bien, premièrement, je ne ferai jamais de one-man show. Si je fais quelque chose, ça va être un spectacle solo, parce que je trouve ça tellement ridicule l'appellation one-man show. OK. Je trouve ça encore plus cave l'appellation one-woman show. C'est un spectacle solo, hostie. On a des mots en français, Chris, pourquoi on les utilise pas? Un spectacle solo, en tout cas. Là, je viens de me faire prendre par Ghislain Tachereau. Ben non, 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 c'est parce que tout le monde dit ça. Puis, oh, je, ouais. Puis je comprends pas, c'est quoi? C'est... En tout cas, moi, j'aime pas la scène. Et j'ai une hantise des trous de mémoire. En plus, c'est que je me vois pas répéter la même affaire pendant 100, 150 fois, tu sais. Puis je pense que j'aurais pas de plaisir. Tu sais, on faisait de la TV, on regardait la caméra, on jouait pour la caméra, on jouait pour la lentille. La lentille, elle rit pas, elle pleure pas, elle t'applaudit pas. Mais si tu te trompes, tu peux recommencer. Puis une fois que ton sketch est fini, c'est fini. Mon roman, quand il est fini, qui est parti chez l'imprimeur, qui se retrouve en librairie, c'est fini. Je passe à d'autres choses. Moi, j'ai pas le goût de jouer avec la même affaire 100 000 fois. C'est fini, je passe à d'autres choses. Donc, si vous voulez voir ou revoir Ghislain Tachereau, je pense que le DVD, la crème des bleus poudres, et sans limite, sont durs à trouver, mais ils existent, je les ai d'ailleurs. Mais l'idéal, si vous avez aimé mon humour à TV, là, dites-vous que dans mes romans, oui. C'est mon imagination sans aucune contrainte budgétaire, sans aucune contrainte de temps. Tu peux pas avoir mieux. T'aimes l'imaginaire de quelqu'un, mais tu sais que quand il a fait de la TV, il était... Tu sais, mettons, je donne un exemple. J'ai un maudit bon gag, mais avec une limousine, il serait deux fois plus drôle. Mais là, j'ai pas de budget pour avoir une limousine, parce qu'on est dans une station avec un producteur télé qui a une limite dans son budget, puis c'est normal. Donc, je laisse tomber la limousine. Dans mon roman, je peux en avoir 10 en ligne, des limousines, il n'y a aucun problème. Il faut juste que ce soit cohérent avec mon histoire, puis que ça n'arrive pas de nulle part, puis que ça veuille dire quelque chose aussi. Là. Ghislain Tachereau, un énorme merci d'avoir accepté mon entrevue. Et puis, morale de l'histoire, utilisez moins de mots en anglais. Puis lisez. 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 Vous allez faire chacun votre histoire à votre façon, puis vous allez découvrir que vous avez un mot du beau monde à l'intérieur de la tête. Et en tout cas, Ghislain, t'es fucking hot. Bye tout le monde. Merci. Salut.